l'auteur d'un livre qui s'appelle « Ce n'est pas toi que j'attendais ». C'est une bande dessinée, un roman graphique, qui parle en fait de la rencontre entre un papa, moi, et sa petite fille Julia, qui est née porteuse d'une trisomie, et qui était une trisomie non détectée pendant la grossesse et qui a été découverte à la naissance. Donc en fait, ce n'est pas un livre qui parle de trisomie, ce n'est pas un livre plombant qui parle des malheurs d'un papa d'enfant handicapé, c'est le livre qui raconte le cheminement d'un papa qui est relativement réticent à la question du handicap, le cheminement jusqu'à accepter sa fille et plus que l'accepter, l'aimer. Livre. Alors j'ai fait. On passe pas d'un coup de rien à un premier livre. Il y a eu des publications un peu confidentielles dans des ouvrages collectifs pour des éditeurs qui n'existent plus aujourd'hui et c'était pas de ma faute. Il y a eu des publications dans des revues BD, voilà. Mais oui, c'est le premier album. Le style de ce que je lis a beaucoup évolué avec l'âge. Enfin, quand j'étais tout petit, c'était beaucoup Tintin, Lucky Luke, voilà. Après, quand j'étais ado, c'était Akira, je sais pas, L'Enfeust, des choses comme ça. Et puis maintenant, je vais plutôt vers des ouvrages romans graphiques, des choses un peu plus dans le style finalement de ce que j'ai dessiné.